Engage. Bonjour à toutes et à tous, c'est Nathano et bienvenue dans ce nouvel épisode de Fire Emblem Engage. J'espère que vous allez bien, je suis ravi de reprendre cette aventure, puisque elle est géniale. C'est parti. J'ai entre-temps, comme prévu, acheté le DLC. D'ailleurs, contenu additionnel. Mais ça va dans les shops, on s'en fout. Je l'ai déjà acheté. J'ai déjà acheté le DLC. Ouais, c'est fait. Voilà, ça y est, c'est fait. Ah bah ouais, mais Dimitri, Edelgard et Claude dans un seul anneau. Comment refuser? Comment dire non? Bonus 1 du pass d'extension reçu. Vous voyez, tout ce qu'on a eu. Et il y a des quêtes supplémentaires pour avoir les anneaux, mais on va pas les faire maintenant, tout de suite. On va d'abord continuer un peu le jeu de base. Voilà l'armurier et le marchand. L'armurerie et le magasin d'objets sont ouverts. Bonjour, okay. Fram. J'aime l'ambiance animée qui règne à Somniel ces temps-ci, mais le summum, c'est que je peux vous parler tous les jours. Eh oui. Soutien cadeau. On a un dialogue de soutien avec Frame. Aïe. Ah, votre divinité. Qu'est-ce que vous brillez quand vous transpirez? c'est chelou. Mais il est à la classe quand même. Hey, par ici. Hey, oh. Ah, ça l'évitait à poser les yeux sur moi. Ok, il en croche. Je remercie l'univers d'avoir créé un être si incroyable et si brillant. Fram. Oh, pardon. Est-ce que je vous déconcentre? Vous ne m'aidez pas à me concentrer. You're not distracting me. Oui, voilà. Oups, désolé. Vite, je viens en qualité de président du fan club du Dragon Vivant. C'est-à-dire, j'ai un fan club. Et oui, notre mission est de vous assister. C'est pour cela que je viens vous apporter encore plus de motivation. Voilà, merci pour vos encouragements. Mais pouvez-vous me les apporter autre part que juste sous mon nom? Bien sûr, je vais reculer un petit peu. 4, 3, 2, 1. Qui est le dragon divin? Vous. Y-O-U. V-O-U. T'as pas particulièrement aidé. Non. Oh là là, Fram. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, mais la Fram, c'est n'importe quoi là. Si je n'étais pas revenu ici depuis des siècles, je vous demanderais de prendre soin de la famille royale de Firenne. Ok, c'est le cas. Merci de m'avoir accepté sur ces terres sacrées, mais pourrions-nous nous rendre au château de Firenne sans trop tarder? Bien sûr. Est-ce que tu veux un crottin? Ah, elle a plus sa robe! Ah ben voilà, c'est déjà un peu plus... Par contre, les cheveux, ça reste... C'est quoi ces deux tresses, là? Limite, ça balaye le sol, quoi. Je vous remercie, votre divinité. C'est un honneur de pouvoir exercer mon noble activité sur ces terres sacrées. Au magasin d'objets, je stocke des potions. Il y a d'autres marchandises que vous pourriez trouver utiles. Alors, c'est ici que vous pouvez acheter ou vendre des objets utiles au combat, comme des potions ou des bâtons. Ah, voilà. À mesure que l'histoire progresse, le magasin accueille des marchandises supplémentaires. Bien sûr. Alors, Aléar. Est-ce qu'on peut acheter des potions? Infini le stock de potions. Obénite. Sort 15 PV et soigne le poison. Tonique PV, confère PV max plus 5 pour la durée d'une bataille. Ah. C'est pour la durée d'une bataille seulement. Vas-y, t'as déjà des potions. Vous avez des potions, vous. Non, vous avez des potions, j'ai pas besoin d'en racheter. Enfin, je peux peut-être racheter des potions dans le convoi. Je peux pas en acheter plusieurs. I thank you. Merci. Do come again. On va parler au... L'armurier d'abord. Il y a une certaine agitation à Somniel, pas vrai? Dire qu'il y a peu, on était les seuls à vivre ici. T'as pas de soutien, toi. Enfin. Wow. Incroyable. Moi, ici, avec vous. Merci de donner un coup de pouce à un vieil armurier comme moi. Vous avez besoin d'une arme et vous êtes au bon endroit. Épée, arc, hache, tome, tout ce qu'il vous faut. So, about the armor. C'est ici que vous pouvez acheter ou vendre des armes.
À mesure que l'histoire progresse, l'inventaire de l'armurerie augmente et de nouvelles marchandises arrivent. Logique. Toi, t'es un jaloux, on peut pas l'utiliser. Feu et colère. Unité incompatible. Chloé, toi, t'es pas à la magie. Par exemple, clan. Toi, tu as feu, mais tu pourras avoir colère. Un tonne d'attaque standard qui ne peut être utilisé qu'au corps à corps. Je peux acheter un. Voilà. Pourquoi pas. Tata, da la la. C'est tellement reposant. Y'a quoi ici? Ma chambre. Ah, je peux dormir. Évidemment, je peux dormir, mais. C'est la chambre où j'étais? Où je dormais? Voici votre chambre, le lieu sacré où Alière a sommeillé durant un millénaire. Oui, c'est ça. Je vais essayer de se reposer pour faire une sieste et faire avancer le temps à somnier. Vous pouvez entendre des choses intéressantes pendant que vous vous reposez. Avec des écouteurs, c'est encore mieux. Ah ah! Je vais essayer souvenir pour visionner à nouveau des dialogues, le soutien et les cinématiques. Vous pouvez réduire la difficulté du jeu grâce à l'option difficulté. Vous ne pouvez pas l'accroître de cette manière, cependant. Il y a même un piano. Commode. Il semble qu'un objet important y ait sa place. Pourquoi t'as pas ta... Se reposer, souvenir. Soutien, lien, réveil, cinématique, musique. On dirait que quelqu'un arrive. Youhou, I'm Coucou, here. Me voici. Sound asleep, huh? On n'aura pas fermé, hein. I know je connais that sleepy si bien face ce so visage well. Endormi. But you vous allez me réveiller tout de suite. Or it's tickle ou je vous chatouille. Such a fine dragon. Dragon is divin awake. Est debout. C'est bientôt qu'il va arriver. On a l'impression de déjà vu. Eh bien, bonjour. J'ai appuyé sur A. Est-ce que c'est parce que je... ça a passé parce que j'ai appuyé sur A? Juste aller voir. Qu'est-ce qui se passe exactement? Strictement rien. Ok. Ça, disons que ça arrivera pas tout le temps. Ça n'arrivera probablement pas tout le temps. Hop. Dragon Divin uniquement. Les temps de chargement, j'étais justement en train de me dire que c'était pas fait la chose, mais en fait, c'est quand même assez long. Hop. Par là. Il y a un truc. Il y a une noix. Je peux pas sauter. C'est mon tour un peu. Pourquoi j'ai plus la carte? Si voilà. Là, j'ai la petite carte. Alors je peux choisir la grande carte, c'est bien ça. Alors je peux l'enlever. C'est en dessous qui sont? C'est en dessous qui sont. Là où je suis. Allié. Ah voilà, Belvédère. Ils veulent me parler, eux. Quel paysage magnifique. J'ai hâte de me promener dans les jardins. Oh my. Vous avez fait montre d'un formidable talent à Flora. Nous pourrions partir pour le château de Firenne dès que vous serez prêts. Ok, ben, ce qu'on va faire, hein. C'est ce qu'on va faire. Un joli aller. On devrait pouvoir partir. Je sais plus comment je pars.
dans le menu. Oh là, il est là. Ouais, c'est carte de monde, ok. Faut que j'aille là. Parfait. Chapitre 5, Château de Firenne. Débuter le chapitre. Reconquête du château. Quelle belle image. C'est probablement une miniature. Et voilà le château. Il y a un règne, un calme. Il y règne un règne. Il y règne un calme suspect. Où sont les chevaliers et les soldats élusiens? Voilà, j'arrive à parler. Tu disais qu'ils marchaient sur le château lorsque tu es parti. Il est donc probable qu'ils aient pénétré son enceinte. Alors, qu'adviendra-t-il de ceux qui y vivent? De mai, dépêchons-nous. Mais bon, ma petite majesté, on a pris le château. Maintenant parle. Où se cache l'anneau? Hein? Qui sait? Est-il à l'intérieur du château? À l'extérieur? Allons, je te pose la question gentiment. Je n'ai pas l'habitude de parler avec la vermine, et donc avec vous, tout autant que vous êtes. Et voilà, une qui a la langue bien pendue. Tu crois peut-être que j'ai essayé à te tuer? Salut. Ah, c'est qui elle? C'est une alliée ou c'est une méchante? Je m'en abstiendrai à votre place, très cher. Probablement une méchante. Dame Zephia. Sa majesté ne nous apprendra rien si nous la tuons. Par ailleurs, j'apporte des nouvelles. L'un de nos soldats a vu la princesse prendre la fuite avant notre arrivée. Auriez-vous demandé à votre progéniture de mettre l'anneau en lieu sûr? Ah bah oui, hein. Oh, quelle tragédie. Il me serait tout à fait odieux de recourir à la violence. Bien sûr. Mais vous ne nous laissez guère d'autre choix que d'oxyre tout ce qui respire entre ses murs. Sinon, tu veux pas mettre un t-shirt? Pitié, non. La meuf, elle fait la guerre, elle se trimballe à poil. Les nibards presque à l'air. Mère! Mère, nous sommes là, mais elle arrive à dégager un certain charisme quand même. Alfred, Céline. Oh, voyez-vous ça? Les petits sont de retour au bercail. Vilain engeance d'Elusia, éloignez-vous d'elle! Et qui nous y forcera? Pas à deux cornes, mais vous tombez bien. Nous verrons ainsi de nos propres yeux si la princesse a l'anneau. Non, je vous en supplie. Ne touchez pas à mes enfants. Mais aucun problème. Il vous suffit de me dire où se trouve l'anneau. C'est bien ce que je pensais. La petite Céline détient l'anneau, n'est-ce pas? Il faudra donc la tuer, ainsi que le prince pour faire bonne mesure. Emmenez sa majesté, nous continuerons cet entretien plus tard si cela s'avère nécessaire. Lâchez-moi! Time for combat, hein. Mère, lâchez-la. Il suffit, arrêtez un peu de jouer la comédie. Vous. Vous me rappelez quelqu'un? Le dragon divin, peut-être. Non, c'est impossible. Qui êtes-vous? Je suis le dragon divin Alir. Enfin, Aléa, Valiverne. Lumera était la dernière de son espèce. Voilà la preuve flagrante que vous n'êtes au courant de rien. Sa divinité a sommeillé pendant 1000 ans. Tiens donc, mais quand est-ce que la bête aurait même pu faire un gros jeton? Dans ce cas, vous devez savoir ce qui est devenu de Lumera. Je fais un sang dedans pour elle depuis cette terrible bataille au château de Lysthos. Comment êtes-vous au courant de cette attaque? On se le demande. C'est vous qui avez subtilisé les anneaux? Vous qui avez assassiné ma mère? Elle est morte. Oh, quelle tristesse. Vous l'avez tuée. Je la vengerai de mes mains. Ah, mais je ne l'ai pas tuée. Ben non. Je dois cependant dire que votre arrivée est providentielle, pour peu que vous soyez bien la progéniture de la bête. Car s'il en est ainsi, vous les avez, n'est-ce pas? Les anneaux du roi héros et du chevalier sacré.
Vous ne mettrez jamais la main dessus. Jamais. Où est donc notre anneau? Je n'ai pas de temps à perdre à vous expliquer. Sachez juste ceci. Le royaume d'Elusia a libéré le seigneur Sombron de son emprisonnement. Pourquoi? Le dragon déchu est de retour? Non. Bien sûr, nous avons affaire à un imprévu. Son retour est sûrement ce qui vous a réveillé. Un peu de gratitude serait la bienvenue. Vous faites fausse route. C'est à ma mère que je dois de m'être réveillé. Car elle m'a inlassablement attendu pendant toutes ces années. Ouais, une émouvante femme. J'en conviens. On se rappelle, hein. À un moment, on était tout rouge, nous. Il y a moyen qu'on soit pas aussi dragon divin que. Qu'est-ce qu'on t'est. À présent, si vous voulez bien m'excuser. Ta-na-na. Bah non, on veut pas t'excuser en fait. Wait. Attendez. Que pouvons-nous faire? Commençons par vaincre ces soldats et par reprendre le contrôle du château. Je ne laisserai pas faire du mal à la reine, elle, ni à qui que ce soit. Emparez-vous les anneaux, ne faites pas de prisonniers. J'espérais que vous diriez ça. Elle se barre. Tintin. Choisir les unités qui combattront. A priori, toutes combattent. Ce qui est bien. Emblème, assignez emblème, j'en ai pas d'autres. Inventaire, j'ai des techniques, j'ai rien besoin. Permuter. Pas plus besoin de permuter quoi que ce soit. On va y aller, hein. On va y aller franco. Ils sont nombreux quand même. Ouais, ils sont très nombreux. Sauvegarder l'histoire d'eux. Alors victoire, vaincre Nelus, défaite, perdre Aléa. On n'a qu'un seul objectif, c'est buter lui. Vaincre Nelus. Nelux. Neluxé. Ah, évidemment c'est fermé, c'est ça. La porte est verrouillée, que faire? Nous n'avons pas le temps de chercher la clé, laissons passer la force brute et enfonçons-la. Vous pouvez détruire une porte en l'attaquant. Un voleur peut utiliser l'ordre ouvrir porte pour franchir une porte sans la démolir. Ok. Alors. On va pas l'ouvrir parce que eux ils vont pouvoir sortir si on le fait. 26 PV. Here goes. Si je fais ça, je fais combien de dégâts? Vraiment que dalle. Même là dans la ligne du guide, ça fait rien. Ah si, la rapière, là, je le bute. En vrai, ça me va. Si je fais l'adrénaline. L'adrénaline, je le bute sans prendre de dégâts. Ce qui est mieux, du coup. My prayers are with you. Ah. Ouais. Bien éclataxe. Ça c'est bon. Ensuite toi. Ah merde, tu l'éclates pas. Toi tu casses la lance. Je pourrais faire ça. Ça, tu peux pas contre-attaquer. Brise-garde, il contre-attaque pas. Ah, il y avait 74% de foiré. Hein. Enfin, 25% de foiré. J'aurais dû regarder ça. Lui, je peux sortir mes muscles exultés de joie. Ça aurait pu tourner au vinaigre. Donc, on va faire attaque plus 2 et esquive. Ah, moins 10, ok. Gotcha. Ça m'intéresse pas pour le moment. I'm all set. Healer.
Say the word. Pas aller plus loin que ça. Ce qui est un peu chiant. As your steward. My will is firm. On va attendre. Your orders, please. Tu peux taper lui. On va faire, je crois. Ouais. J'espère juste qu'il se foire pas, quoi. Ok, parfait. This is the mission of the stewards. Hop. Your steward's ready. On va attendre. On va se mettre là. On va se mettre là. Ici. Toi, je vais pas te bouger. Rien du tout. Il y a des coffres. Ah, je vois que le château est assiégé. C'est le moment idéal pour fermer un bas sur quelques trésors. Des voleurs, maintenant. Allons, vraiment pas besoin de ça. Il faudra mieux les arrêter. Les coffres au trésor enferment des objets. Utilisez l'ordre ouvrir coffre à côté d'un coffre pour en récupérer le contenu. Si un ami s'empare du trésor en premier, vous pouvez le récupérer en vainquant cet ennemi. Ouais. On ne peut pas contre-attaquer, nous ne sommes pas Byleth. Aïe. Ok. On ne le tue pas. On lui met quand même des dégâts. Grosse bastos. Et en plus on récupère des PV, ce qui est plutôt bien. Hop, un niveau supplémentaire. Au début de la phase joueur, reçut 20% des PV max de l'unité, celle-ci à 20% de PV restant au moins. Pas mal. Non, j'ai pas besoin de fusionner. Je pense que je peux juste l'attaquer comme ça. Je prends un dégât pour le FV 16. Maintenant ça me va. Ah, là je lui casse son truc. C'est plutôt bien. Hop, parfait. 80, au-dessus de 80, c'est des statistiques que tu peux te permettre de prendre. Sans prendre trop de risques. Là je suis à 92. Ça me paraît ok hein. Ah, j'aurais peut-être dû t'amener toi, mettre un support. Bah du coup merde. Et du coup merde. C'est pas mieux à dire. Ah. Fais un truc comme ça. 86. En vrai 86 c'est bien. Ok, ça me va. Est-ce que toi je peux t'amener ici du coup? Ouais, je prends des dégâts, en plus je fais que 41, ce qui est très naze. Je vais juste attendre. On va faire ça. 46 puis 80. Non mais ça c'est 46, c'est l'attaque enchaînée. Let me help her. Il a mis les deux. Quoi, t'as raté à 95 de précision? Non, 80 de précision. Ah, c'est la loose. J'avais 80. Il s'est raté, bien joué. Bien joué mon premier. Que voulez-vous, hein? Des choses qui arrivent. Je peux l'attaquer, non? 0 x 2. Éviter de l'attaquer hein. Voilà. Voilà ce qu'on va faire hein. Ouais ça me plaît bien ça.
pas. Voilà, il dégage. Il y a le voleur qui avance, ça c'est un peu chiant. Contre-attaque. Ce qui est plus que bien. Ça sent le coup critique, ça, ouais. Ça sentait le coup critique. Je sais pas, l'animation était. C'était plutôt stylé. Aïe. Ah, ça, c'est pas cool. Boucheron. Il s'est fait boucherer la gueule. On va aller chercher le voleur. On va la rapière et puis. Comme on le brise garde, on lui fait un milliard de dégâts. On lui fait 6-13, 6-13. On l'attaque 4 fois. Ah ouais. Ouais, ouais, ouais. Il déconne 0 Marth. Hein. Je pourrais fusion d'emblème. Le problème c'est que là il crève. Ça me plaît bien ça. On va s'en débarrasser. Ragnarok. Boum! Dans les dents. Niveau supérieur, précision, ça c'est cool. Toi tu lui casses si t'arrives à le toucher. 46-80, est-ce que t'as plus de précision avec ça? Non. T'as vraiment une précision de merde. Alors ça fait deux fois que tu te... Que le 46 y passe, mais que le 80 non. Il y a un petit souci quand même, non? Moi, je pars du principe qu'il y a un gros souci. Quand même. Tap. Encore raté. Non mais c'est pas possible, c'est pas 80% là. C'est honteux. Ah putain quoi. Pas mis 80%. C'est nimpe. En vrai. On s'est fait défoncer la tronche là. C'est quoi cette esquive le gars? Was that sufficient? Il va crever mon lui hein. I can keep going. 41%, là, ça sert à rien que je t'attaque. Hein. Prendre une petite potion. Tu vas clamser. On va plus te soigner, cela dit. Ce qu'on va faire, c'est ça, du coup. Faire garde enchaîné. Voilà, ça me plaît bien, ça. Hop. I'm okay. Toi, tu vas bien. On va attendre... que sa sœur puisse utiliser le bâton. Waouh, ben voilà. Bien joué ça. Mais lui il a 40% et il le touche quoi. C'est assez simple. On pourrait défoncer la porte ou on passe là pour aller... Quand même touche là, il envoie sa hache. Ça le délire. Il y avait un petit problème. Il y a un petit problème d'espace. Heureusement que c'était sur la fin de l'épisode. J'avais plus de place sur le disque dur. Alors, du coup, l'épisode s'est arrêté. J'ai du coup déplacé Alire là. J'ai déplacé Céline ici. J'ai dû soigner les deux là. Et puis, c'est tout ce qui s'est passé entre
la coupure de l'épisode et la fin. Donc on va s'arrêter là de toute façon pour cet épisode. On se retrouve dans quelques jours pour la suite, je dirais après-demain. Ciao ciao tout le monde et à la prochaine.